Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Final Fantasy XIV. Donc nous étions laissés sur le combat contre ce qui paraît-il être Anacia, donc l'homme sous capuche et sous robe noire si vous vous souvenez. Et il fallait que nous allions maintenant faire nos différents rapports, aussi bien à Rainer au niveau de la tour de cristal, de corail, désolé, et au niveau de notre maître de guide. Donc, les deux se trouvent à Limsa Luminsa. Nous allons donc y aller. Donc, on va commencer par Sartanist. Alors, qu'est-ce que notre maître de guide a à nous dire ? En effet, elle est en tout. Ok. Toujours aussi charabia, mais on va faire avec. Donc maintenant, on va aller voir Rainer. Ça se trouve, il va également nous avoir à l'Ansa Central, qui sait. Tour de corail qui est, comme vous l'avez vu sur le quartier des maraudeurs. Ouais, leur symbole est là. Merci. Oh, l'amiral en personne. Ah,
C'est un honneur, n'empêche. Le dirigeur vient de nous dire bonjour.君が噂の冒険者か。なるほど。いい面構えをしている。私はメルウィブ・ブルーフィスウィンだ。本日は数々の働きの礼を言いに来た。海の都リムサロミンサを代表し感謝する。 これを受け取ってくれたまえ。リムサロミンサへ力を貸してくれている、せめてもの礼だ。バデロンやレイナーから聞いていたよ。我が国へ素晴らしい冒険者が訪れたのだとな。君をぜひ晩餐会に招待したい。 サハ銀族の暗躍を大事になる前に防いでくれたのだ。これくらいの礼は受け取ってもらわんとな。なんと直々の正体とは。では待っているぞ。それからこれからも我々に力を貸してくれたまえ。君にクリスタルの導きがあらんこと。 Ah, c'est un sacré honneur, dis donc. Anneau du Maestral. Ah, non, c'est un cristal. Ah, ouais, j'ai. Vite là, non. Ok. On va faire. On va lui parler. Tenue correcte, bien entendu. Là, c'est sûr que ça fait bizarre. Oui, un peu quand même. Allons nous préparer pour ce banquet. Je crois qu'une autre personne a fait les défis pour les novices. Ça se voyait à sa tenue. Alors, Bader, qu'as-tu à nous dire sur les us et coutumes de la cité? Oh, en plus, c'est la première fois qu'une aventurière y est conviée. Alors. J'avoue, pour autant que j'ai déjà soupé, moi. J'aime bien ma tenue, moi. Elle est déjà mieux qu'avant. Ok. Je ramène ça. On y va. Priorité principale.
Comme vous pouvez le voir, les décorations ont disparu. C'est tout simplement parce que nous sommes le 18, au moment où je fais la vidéo, tout du moins. Désolé pour le bruit si vous l'avez entendu. Et l'event, la chasse au prof est terminée. De fait, les décorations ont disparu. Alors, voilà, c'est elle. Ok, après, faut aller de nouveau à Baderon. Okay. On reprend le tête. Je vais peut-être en faire mon endroit de favori gratuit. Alors, mon endroit de favori gratuit permet en fait de me TP où que je sois sur la carte, même à l'autre bout du monde. Je peux me re-TP ici pour 0 kills gratuitement. Ça peut toujours être utile. Que je me TP très régulièrement à Nimsa Luminsa. Du moins avec mon personnage principal. Si je ne sais pas trop. Donc on a en effet pour mon personnage principal Nimsa Luminsa et ma zone gratuite. C'est pour ça que je l'ai fait ici aussi. Je ne sais pas si ça changerait. Parce que peut-être on peut changer. Chaussures en mais bon, c'est pas grave. Ok. À première vue, me demande pas de porter les chaussures, donc je vais directement leur parler. Ah, par contre, on demande de mettre les bottes. Mais bon, sans vouloir réchigner, c'est pas avec des bottes qu'on change de look, c'est pas grave. Ça peut être l'instant de la tenue qu'il aurait fait, le dire. Okay. Donc, c'est de nouveau, je trouve que c'est qu'il faut aller. Mais c'est pas vraiment le portier, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, il est marqué donc. Je crois qu'il se répète le mantra. この冒険者はリムサロミンサのために魂揺さぶる働きで尽くしてくれた英雄だ。英雄に海洋と航海の女神リムレーンの祝福を。顔に入れ墨のある者たち、奴らは蛮神リヴァイアさんに忠誠を誓った海賊団海蛇の下だ。
奴らは万神リバイアさんの信徒を増やすために人さらいを繰り返していたようだ。サハ銀族は長年我らと敵対してきたバン族、その旧敵にいいように使われるとは情けない。君のおかげで奴らの動きが分かったのだ。感謝しているぞ。 その輝きは一体… これは… もしや光のクリスタル？ これが？ あなた、 前にクリスタルを見たと言っていたわね。 光の石に… やはりヤシトラ殿の推察通り、君は超える力を持っているようだな。Voilà pourquoi on est là. 君の触れた存在、それはおそらく母なるクリスタル、マザークリスタルだ。君は一回の冒険者で終わらず、いずれは世界を左右する大物になるやもしれん。そう、 あの光の戦士たちのようにな。かつてこのエオルゼアには万神と戦った者たちがいた。その者たちはエオルゼア諸国がグランドカンパニーを設立すると、その一員となりガレマール帝国とも戦った。世界を救うためエオルゼア同盟軍の一員として 5年前のカルテノーの戦いにも参加していた。しかしカルテノーを最後に、その英雄たちは姿を消したのだ。残された人々は英雄が自分たちのために命を賭して戦ったことを覚えている。しかしその名を口に出そうとすると、日に焼けた書物を読み上げることができぬよう声に出すことができず、 その顔を思い出そうとすると、閃光の中にあるように輪郭が影に包まれてしまう。この不可思議な現象から、人々は英雄たちのことを光の戦士たちと呼ぶようになった。Voilà le nouvel nom. OK. 光の意志に導かれた君を見ていると、かつての英雄の話を思い出すよ。C'est flatteur. 冒険者、 そのクリスタルを大事にすることだ。 マザークリスタル、 ハイデリンが君にそれを持たせた意味、 それがわかるまではな。 君は星の声、 ハイデリンの意志に 直接導かれたのだから。 ウルダハの強者たちよ、底力を見せてみよう。サジンが手薄だ。バラクーダの連中を回せ。国家団本体と特殊陸戦隊はその場を死守だ。ソージャ島の白狼隊を皇者隊の援護に回しなさい。エオルゼアと帝国の戦いに異邦人の冒険者も力を貸してくれているのです。誰一人死なせてはなりません。
カヌエ戦などに。あ、いえ。うわ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 。う
アズバハム、それにムーメオジドヌツ。Oh, il a un masque qui parle, lui. Logaro Asawado Dake, Egudom Bruto. Imeatsu, Uiekisaku wa Toddomeha, Hajiwa Tsuru Donutsu. Season 2, Jisudan Jion Mira.ライドザダイドーヌ。Alors désolé pour la surrégalade sur les cinématiques, j'essaie de la manière en bas à droite, mais c'est pas nécessairement évident. Et toujours l'habitude d'avoir la souris en plein milieu. Ça a tendance à essayer de revenir. Alors, je suppose qu'il faut encore aller... Oh, il pleut. Il pleut bergère. Allons donc parler à l'amiral. C'est peut-être mon deuil. Alors, les quartiers de l'amiral. Ils sont encore assez sables quand même, hein, franchement. On commence à avoir l'habitude des longueurs. Allez. L'émissaire de l'IMSA, l'IMSA. Rien que ça.
certaine organisation. Qu'est vraiment le pouvoir de l'écho, parce qu'à part voir des flashbacks de Isulta et maintenant de Amiral, on n'a pas fait grand chose avec. Bon, après, pour lui, il faut reparler à Baderon, genre j'y arriverai. Enfin, Baderon. Alors, qu'as-tu à nous dire ? Okay. Donc, avant de continuer l'histoire, nous allons faire la quête annexe, enfin, quête annexe, la quête avec la... Enfin, là où les quêtes de classe, hein. Il y en a plusieurs à faire, je ne sais pas. Moi je m'amuse à sauter. Ça m'arrive. Oh bah, pas plus tard. Devant-moi, je vais pas passer.
une instance. Ok. Alors, je serai synchronisé au niveau 14. Je suis de plus haut niveau. Donc, à première vue, c'est avec niveau 10. Bon, enfin, là, 15 après, alors. Bien entendu, il se casse. Ah non, ça va. Laisse-moi faire. Sur tous les meubles, comme ça, ça fait des dégâts un peu partout. Oh. Ok, easy peasy. Je dirais des points faibles, sauf que vu qu'on met que des points de l'époque qui nous intéressent, donc tout ce qui est esprit, tout ça, bah c'est des points forts. Tu veux prendre ton pied comme ça, tu prends ton pied comme ça, ma petite. Alors...
Alors... Ouais. Inférieur. Je suis disponible. Ouais. Les tenues sont disponibles. Alors, la tenue, c'est juste... C'est juste une liste, enfin, tout simplement. Mes tenues sont disponibles aussi. Ça, vous inquiétez pas de ça. On verra ça lorsqu'on passera sur vos personnages principaux. Ça va être dans longtemps. Ah, donc à la fin de cette quête, nous aurons donc la deuxième vacation. Alors, que nous vaut-elle ? Ah oui. Toujours intéressant d'apprendre quelque chose à nous. Bon bah ça, ce fut une quête assez rapide. Et voilà. J'ai quand même une préférence pour l'émeraude là, mais à voir. Ok, ok. Et c'est ici que nous allons nous laisser. Donc, nous ferons bien entendu cette quête dans la prochaine vidéo. Je vous dis donc à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.